Yo les boys, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Yo les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Troisième épisode de la saison 2 des Vlog My Race. On est aujourd'hui à Montgueux pour la troisième épreuve du National 625. Montgueux, c'est une piste que j'affectionne tout particulièrement. Troisième en 2017, deuxième en 2018, premier en 2019. J'espère être sur le podium demain. C'est un peu l'objectif. Toujours marquer des gros points, je me répète, mais c'est un peu. C'est un peu important pour le National 125 de toujours être dans les gros points, d'être homogène, enfin de toujours scorer des gros points. On verra ce que ça va donner demain, donc je suis prêt. On a bien bossé entre Fublène et Montgueux, et puis voilà, c'est le plaisir avant tout et les gros points. Voilà, ciao. Tu te rends pas compte, hein? Bah non, c'est un peu pentu. Hein. C'est pentu. Le truc, c'est que ça écrase grave. Mais si on se fie par rapport au bâtiment qui je pense est droit, ça fait un peu raide hein, pour un départ. La spécificité de la piste de Montgueux, c'est ça. Ça fait un petit vide là. Il est 22h15, je regarde un petit peu ce qui se fait sur YouTube et j'attends de pouvoir regarder le SXES, enfin du moins les essais chrono un petit peu, avant d'aller me coucher pour être en forme demain, de bonne heure et de bonne humeur. Et le soleil sera présent. Ciao. J'ai envie de dire au bout.
lancer libre et les essais chrono sont passés. Je me suis directement senti à l'aise sur la piste au niveau de, pendant les essais libres. On n'a pas eu de télé, j'ai quand même fait des tours chrono, mais comme je disais, on n'avait pas eu de télé pour les chronos. Donc voilà. Et puis pour la séance d'essais chrono, j'ai fait un premier temps chrono qui était plutôt correct. Mais j'ai refait un tour, j'ai amélioré deux secondes d'avance. J'étais surpris au début, je me suis dit oh, c'est bizarre deux secondes, mais non c'est bien deux secondes réelles d'avance sur le second. Les chronos c'est pas les manches, j'ai déjà fait des pôles et pas réussi à assurer les manches derrière, donc là on verra bien ce que ça va donner. Je suis motivé, je me sens bien sur la piste et la manche est à 14h45 et j'ai appuyé.
première manche comme vous avez pu le voir. Je pars en deuxième position derrière Quentin Novak. J'ai réussi à trouver rapidement l'ouverture dans le premier tour et puis j'ai su imposer le rythme devant Jimmy. Ça a été une grosse bagarre, fallait être très très concentré, pas faire d'erreur et c'est ce que j'ai réussi à faire. Je suis content de gagner cette première manche. Ça faisait longtemps que du coup j'avais pas gagné de manche en championnat de France depuis 2021 et puis ça montre que je suis encore présent et que je vais être là toute l'année pour me battre. Maintenant place à la deuxième manche. La deuxième manche, malheureusement, j'ai été contraint à l'abandon au quatrième tour. J'étais parti en cinquième position, j'avais réussi à trouver l'ouverture sur les pilotes qui étaient devant moi. J'étais donc deuxième derrière Jimmy. Et je pense qu'on aurait inversé les rôles. Malheureusement, la moto en a décidé autrement. La course s'est arrêtée au quatrième tour, forcément déçu. Je voulais marquer le coup, scorer des gros points comme je l'ai dit. Je serais sûrement reparti avec la plaque rouge du championnat. Maintenant c'est comme ça, je suis qu'à 11 points de la tête, tout est encore possible, on va rester concentré et puis il reste encore 4 courses, 8 manches, 200 points à distribuer, donc va falloir rester concentré, bien s'entraîner et le championnat est encore long et va falloir rester solide. Bien évidemment, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça aurait été cool de remonter sur le podium, comme en 2019 où j'avais réussi à gagner le général. Maintenant c'est qu'une épreuve, il en reste 4 comme j'ai pu le dire. Et puis voilà, je remercie toutes les personnes qui regardent ces vidéos, ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis sur ce, les gars, bon ride. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you